quand quelqu'un entre dans le CTE, d'abord la première des choses, il doit se laver les mains. Maintenant, la deuxième étape qui doit suivre, c'est le sprayage des pieds. Parce qu'on doit entrer dans le CTE et avoir des pieds déjà. Après cela, maintenant, on doit passer au screening. Ok, après maintenant le screening, on peut entrer dans le CTE pour aller faire les activités du jour. On arrive ici, ça c'est la zone d'habillage. On doit maintenant s'habiller pour entrer dans la zone à haut risque et aller voir les patients qui sont internés à l'intérieur. Après cette étape, maintenant il doit écrire sur les doigts pour m'identifier parce que quand on est dans la zone à haut risque, étant masqué comme ça, on ne peut pas reconnaître si c'est telle autre personne. Raison pour laquelle on doit écrire sur la cagoule pour essayer d'identifier la personne. Alors, ça, c'est notre triage. Et au niveau du triage, nous recevons les patients suspects de ce côté-ci. Alors, quand nous les recevons, l'ambulance les amène. Comme le triage est à deux parties, la partie interne, ça, c'est la zone à haut risque. C'est là où les patients doivent rester. Nous devons nous limiter au niveau du bas risque pour essayer de l'interroger, de l'examiner à distance. Après cela, maintenant, l'équipe médical peut entrer dans la zone à haut risque pour admettre les patients et faire autre activité médicale à l'intérieur. C'est la première barrière qu'on doit franchir et puis la deuxième, puis on entre dans la zone à haut risque. Et derrière moi ici, il y a les toboggans. C'est là où nous faisons passer les aliments, tous les nécessaires qu'on veut faire entrer dans la zone à haut risque. Alors, ça c'est la première barrière que j'ai franchie. Maintenant, je dois franchir la deuxième. Comme la zone suspecte, doit avoir des chambres individuelles pour isoler chaque patient. Parce qu'on ne sait pas encore leur état sérologique, raison pour laquelle on isole chacun dans sa chambre. Alors, quand on a terminé là-bas, en fait, tout ce qu'on a fait, on a ici, on se lave les mains. Quand on a fini, on passe dans la chambre suivante. Ça, c'est ce que vous voyez ici, ça, c'est le séparateur de chambre. Alors, chaque patient doit rester dans sa contrée pour ne pas être en contact avec. Et on doit aller dans toutes les chambres jusqu'à la fin. Alors, là au fond, tel que nous voyons là-bas, là il y a une douche sortie. Quand un patient sort, moka, après le premier test négatif, deuxième, il sort. Alors, il doit passer par là et partir. Alors, c'est comme ça que ça se fait. Et partout, c'est le même système de construction. Tout ça, c'est
c'est la partie suspect. J'ai fini à voir tous mes patients suspects. Maintenant, je dois aller chez les patients confirmés. La partie déjà confirmée, ça c'est la partie suspecte que j'ai reçue. J'arrive ici aussi, je dois fermer complètement la partie. Donc quand j'arrive ici, je n'ai plus le droit de retourner là-bas chez les suspects directement, je continue chez les confirmés. Ça c'est la partie déjà confirmée là où nous sommes. Partout là, ce sont les confirmés que nous recevons. Alors, chaque confirmé doit avoir sa propre chambre. On voit mon patient ici. Je dois arriver, je me lave les mains. Comme j'ai fini, je dois aller à la zone de déshabillage pour que je puisse me déshabiller et sortir. Alors, c'est là où je vais maintenant. Ok, j'ai fini mon travail, ce que je devais faire. Mais là, je viens à la zone de déshabillage pour me déshabiller et sortir. Mais avant de sortir, je dois d'abord me laver encore les mains une fois. Et maintenant, je dois commencer par enlever les premiers gants. Je dois enlever les tablettes. Je dois enlever les lunettes. Quand je termine cette étape, il doit encore monter un peu. Il me recommande d'enlever la cagoule. Après cela, il doit encore m'orienter. Je dois enlever la combinaison que je porte. Je dois commencer par ouvrir les rabats d'en haut. Alors, quand je finis comme ça, j'enlève. Quand je finis comme ça, il me dit d'enlever le masque. Après ça, je dois enlever les derniers paires de gants. Alors, quand j'ai fini, maintenant, je dois me sprayer les pieds. Et dès que j'ai fini, et là je vais me laver à l'eau savonneuse à l'extérieur. J'ai fini le travail que je suis allé abattre à l'intérieur de la zone à haut risque. Reposer et puis faire les rapports de ce que je suis allé faire à l'intérieur de la zone à haut risque.